Bonjour à tous, soyez les bienvenus au milieu de nous. J'espère que vous êtes heureux d'être avec nous ce matin pour louer, célébrer notre Dieu, celui qui nous a sauvés. On va chanter ensemble, on va chanter ce chant qui dit « Nous venons dans ta présence ». Amen. Pour chanter tes louanges et notre reconnaissance, ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'honneur est suscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as. Suivre tes pas chaque jour, être avec toi. Jésus est le chemin et la vérité et la vie. Et ce matin, nous voulons considérer les choses de Dieu, comment il est, tout ce qu'il a fait pour nous. Et alors s'élève de nous un chant de louange, d'adoration. Et je vous propose qu'à la suite de ce chant, nous ayons tous ensemble un moment d'adoration et de louange, que vous puissiez être libres d'exprimer votre adoration envers notre Dieu. Musique.
Seigneur, nous voulons te glorifier, nous voulons te dire que tu es ce Dieu qui est grand, qui est tout puissant, Seigneur. Merci pour toute ta création, merci pour tout ton amour que tu nous donnes, Seigneur. Merci parce que de ton ciel, tu es descendu mourir sur la croix pour mes fautes, pour mon péché. Et je veux te louer ce matin, je veux le faire avec mes frères et avec mes sœurs. Nous voulons te glorifier et te dire à quel point tu es grand, à quel point tu es merveilleux. Béni sois-tu notre Dieu. Amen. Bien dans la présence de Dieu. On va laisser toute la place à la prédication. Voilà, très heureux de vous retrouver ce matin. Très heureux, vraiment, vraiment beaucoup de joie à revoir vos visages, à entendre vos voix chanter à la gloire de Dieu. Ah, ça fait du bien, la communion fraternelle. L'Église n'est pas une Église enterrée. Mais c'est une église qui agit, qui prie, qui est vivante. Et si nous sommes masqués ce matin, peut-être même parfois bâillonnés, l'église est vivante. Alléluia. Ça me fait du bien de chanter à la gloire de Dieu. C'est vrai que chez nous, on prie, on loue, on adore, mais ça fait du bien de chanter avec l'église. Amen. Alors ce matin, je voudrais partager... Le message que le Seigneur a mis sur mon cœur, je lisais personnellement un texte. Et le titre que j'ai donné à ce message ce matin, c'est celui-ci. Voilà. Avec ou à côté. Avec ou à côté. Et on pourrait dire avec Dieu ou à côté de Dieu. Avec un frère, avec une sœur, ou à côté d'un frère, ou à côté d'une sœur. Et j'ai eu à cœur de,
vraiment de partager ce temps avec vous. Il serait compréhensible en soi de dire, mais être avec ou être à côté, c'est la même chose. C'est vrai, on pourrait se dire, être avec ou être à côté, c'est la même chose. Sur le plan physique, ça pourrait être la même chose. Ce matin, je suis avec vous, je suis à côté de vous, physiquement, physiquement. Et de dire, ce matin, bah oui, je suis avec Timothée, je suis avec Philippe, je suis avec un frère, une sœur, mais aussi de dire, je suis à côté. Cependant, il y a une différence. Il y a une différence. Cette différence, aussi sensible soit-elle, si sur le plan physique, être avec ou être à côté ne semble pas marquer une différence telle, eh bien, sur le plan de l'entendement, sur le plan de l'esprit, être avec ou être à côté, ce n'est pas la même chose. Vous êtes d'accord ? Et prendre ce texte de la Bible qui nous dit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord ?» dit Amos au chapitre 3 et au verset 3. Dans la version Bible du Semeur, je vous ai lu. Et puis la Bible selon Darby dit « Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord ?» On a là à la fois le plan physique, mais aussi le plan moral, spirituel. Ils marchent, ils sont côte à côte, et ils peuvent faire une randonnée. Vous savez, je reviens de la montagne. C'était chouette. J'ai marché à côté de mon épouse, ou devant mon épouse. Mais en réalité, j'ai marché avec elle. Parce que notre vision de la montagne, notre pensée de la montagne, notre envie de la montagne de voir des choses magnifiques nous unissait, même si j'étais à côté ou devant. Mais en réalité, j'étais avec. Vous comprenez ? Et ce matin, je pourrais prendre l'exemple de l'Église. Nous sommes dans ce lieu. Je pourrais dire, je suis à côté de mon épouse, mais je suis plus qu'à côté d'elle, je suis avec elle. Et je pourrais prendre l'exemple, et je ne voudrais pas nous heurter ce matin, mais vraiment parler à nos cœurs. Et de dire, Seigneur, cette année, cette rentrée, je veux vivre avec. Mais pas seulement à côté. Et c'est important cela. Parce qu'on peut être assis dans l'église seulement à côté d'un frère, d'une sœur. Alors que Dieu veut que nous soyons avec un frère, une sœur. C'est tellement important. Alors, je vous invite ce matin à lire avec moi ce passage dans Deux Rois. Dans Deux Rois, vous savez, j'aime beaucoup Élie et Élisée. Vous allez commencer à me connaître un petit peu. J'aime beaucoup Élie et Élisée. Parce que Élie et Élisée représentent l'esprit dans la première partie de la Bible, dans l'Ancien Testament. Dieu a laissé sa parole avec non seulement Moïse, mais on pourra peut-être en reparler une autre fois, Moïse, mais Élie et Élisée, la parole et l'esprit. Waouh ! Et j'aime beaucoup Élie et Élisée. Alors on lit dans Deux Rois au chapitre 6, la lecture va être un petit peu plus longue, et au verset 8, Deux Rois 6, verset 8. Que le Seigneur bénisse ces temps, que le Seigneur nous bénisse ensemble. Je me suis fait du bien quand j'ai médité ça. J'ai dit, Seigneur, rends-moi semblable à Élisée. Rends-nous semblable à Élisée. Le roi de Syrie, verset 8, était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, « Mon camp sera dans tel lieu. » Mais l'homme de Dieu, il est sous-entendu ici Élisée, fit dire au roi d'Israël, «
garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois, et l'on comprend dans cette expression que c'est arrivé plusieurs fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit, « Personne au roi, mon seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit, « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On lui fit dire, « Voici, il est à Dothan, ce qui signifie « depuis ». Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu, et je ferai une parenthèse sur ce serviteur tout à l'heure, se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée, verset 18. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. « Daigne frapper d'aveuglement cette nation, et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. » Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit les yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, « Frapperai-je ? Frapperai-je, mon père ?»« Tu ne frapperas point, » répondit Élisée. « Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc ? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. » Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas. Ils mangèrent et burent, puis il les renvoya. Ils s'en allèrent vers leur maître et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Amen. C'est un texte magnifique. J'aime les textes où la puissance de Dieu se manifeste. Alors, on va s'intéresser à deux personnages ce matin. Au personnage qui est Élisée et au personnage de son serviteur. Et je voulais faire une parenthèse sur celui-ci. Je ne nomme pas Géasi de façon volontaire parce que je ne sais pas si c'est Géasi ou si c'est un autre serviteur. Et vous allez comprendre un petit peu plus loin pourquoi j'y reviendrai, malgré que l'on retrouve le nom de Géasi dans le chapitre 8 du livre des deux rois. Et on va voir dans un premier temps que il y a une différence entre celui qui est avec et celui qui est à côté. Il y a une différence entre celui qui vit avec Dieu et celui qui vit à côté de Dieu. Ce n'est pas une prédication pour nous culpabiliser ce matin. Loin de moi cet esprit, cette pensée. Mais peut-être qu'on a besoin de faire le point. Vous savez, les serviteurs font le point. On fait le point de nos vies, de notre attachement. Et le premier point que je voudrais partager avec vous, ce qui fait la différence. Ce qui fait la différence. Être avec versus VS, être à côté d'eux. Et j'aimerais déjà m'attacher à ce verset qui est là, qui fait la différence. Ce verset, c'est « Ne crains point ». Car ceux qui sont avec nous, lorsqu'Élisée a prononcé cette parole, il avait une certitude dans son cœur.
c'est qu'il avait Dieu avec lui. Il était avec Dieu et il va pousser son serviteur à vivre cela. Il y a une différence. Quand on est avec Dieu, quand on vit avec Dieu ou quand on vit à côté de Dieu. Je voudrais regarder le parcours d'Élisée et de Gehazi. Élisée, vous savez, a été serviteur d'Élie en premier. Et j'aimerais m'arrêter sur le caractère d'Élisée quelques minutes face au caractère de Gehazi, son serviteur. Élie a pris sous son tutorat Élisée. Élisée a pris sous son tutorat Gehazi. Et on voit que ces deux hommes vont vivre des temps exceptionnels dans la présence de Dieu. Élisée au contact d'Élie, Gehazi au contact d'Élisée. Mais on va voir qu'il n'en ressort pas la même chose. Il n'en ressort pas la même chose. Parce qu'il y a une différence dans l'attitude quand on vit avec Dieu. Il y a une différence. Élisée, quand il s'est attaché à Élie, eh bien, il y a une chose certaine, c'est qu'il était avec Élie. C'était qu'il était avec ce prophète. Élie, sous la direction de Dieu, est venu chercher Élisée derrière les bœufs. Vous vous rappelez de ce passage? Dans 1 Roi au chapitre 19. Il est venu dans la ferme et Élisée était là, il labourait le terrain. Et Élie va lancer un appel à Élisée. Et vous savez, pour la plupart d'entre vous, vous lirez ce texte dans 1 Roi chapitre 19, verset 19. Eh bien, il est dit que Élisée quitta ses bœufs, courut après Élie, laissant derrière lui son père et sa mère. Et il va faire de son char, de sa herse et de ses bœufs, il va faire une offrande. Élisée a quitté, a abandonné, a laissé. Il y avait une véritable consécration. Il est dit au verset 21 que il se leva, suivit Élie et fut à son service. C'est vrai que c'est un ministère particulier et le Seigneur ne nous demande pas autant de choses pour nous. Mais il y a cependant des choses que nous devons quitter, que nous devons abandonner, des choses qui sont de notre ancienne vie. On se rappelait également dans la Bible, et je vais assez vite parce que le temps, je ne voudrais pas vous garder masqué trop longtemps. Il est dit d'Élisée qu'on s'est souvenu de lui au moment où Josaphat avait besoin de consulter Dieu. On s'est souvenu de lui en ayant pour ce trait de caractère. Oui, il y a bien Élisée, celui qui lavait les mains d'Élie. Il était attaché à son maître. Il était avec son maître. Vous savez, pour laver les mains, il faut quand même être avec. Pour laver les pieds, comme Jésus l'a fait avec ses disciples, il fallait être avec. Fallait les toucher, fallait les étreindre. Il y avait, cela me parle d'intimité. Et puis, il est dit qu'Élisée n'a pas quitté son maître avant de l'avoir vu enlevé au ciel. C'est un passage magnifique, cela. C'est un passage magnifique. Et vous savez qu'il y a une plénitude ici d'attachement. La plénitude, elle est reprise par le chiffre 3 dans la Bible. La Trinité, c'est la plénitude. Et quand on retrouve le chiffre 3 à 3 reprises, il y a la plénitude de l'esprit. Quand Dieu dit à 3 reprises une chose, c'est qu'il y a une plénitude, c'est qu'il y a une vérité absolue. Et là, il est dit au chapitre 2 du deuxième livre des Rois qu'Élisée répondit alors que Élie lui dit « Mais laisse-moi aller à Bethel, laisse-moi aller à Jéricho, laisse-moi aller au Jourdain. » Élisée, qui n'était qu'un serviteur, va dire ceci, « L'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Amen. Et ceci à 3 reprises. Il y avait dans le cœur de l'Élisée la plénitude de l'attachement. La plénitude de l'attachement. Quant à Gehazi, ce n'est pas tout à fait cela.
Certainement qu'Élisée avait à cœur, comme il l'avait vécu avec Élie, de transmettre. Vous savez que Dieu veut nous transmettre un héritage. Dieu nous a fait les gardiens de sa parole. Dieu nous a fait les gardiens de l'esprit, de la vie de Pentecôte. Et il veut faire de chacun de nous des serviteurs. Alléluia! Des sacrificateurs! Et ce n'est pas tout à fait cela pour Géasi. Élisée voulait transmettre à Géasi sa vie abondante dans l'esprit, sa vie abondante avec Dieu. Oh, Seigneur, remplis-moi de ton esprit ce matin. Amen. Ah, Seigneur, fais descendre sur nous ton esprit, fais-nous vivre les choses d'en haut. Alors, c'est une supposition, mais quand Élisée a repris le manteau d'Élie, vous vous rappelez ? Il a vu son maître partir. Et il a repris le manteau, et lui qui voulait l'onction, une double onction de l'esprit qui reposait sur Élie, il l'a reçue. Et il va vivre cette onction, et il va se dire, peut-être dans son cœur, c'est une supposition, hein, mais moi je veux transmettre ce que j'ai reçu d'Élie. Je veux transmettre ce que j'ai reçu avec Dieu. Alors il a pris Géasi. Vous savez, Géasi, ça veut dire, ça signifie vision de la vallée. Et peut-être que Élisée, c'est une supposition, hein, a choisi parmi les fils des prophètes qui étaient là. Vous savez qu'il voulait chercher Élie. Et il s'est dit peut-être qu'il y a un jeune homme qui est là, qui va être bien pour que je l'enseigne, que je le conduise. Et on peut penser qu'Élisée a choisi un de ces garçons-là. Toujours est-il que Géasi n'a jamais été avec Élisée comme Élie. Élisée a été avec Élie. Il a été toujours à côté. Toujours. Oh, certes, il avait de l'empathie, Géasi. Vous savez, quand il y a eu la tsunamite qui est venue voir installer Élisée chez elle, qui avait fait la chambre haute, Géasi va s'entendre dire de la part du prophète, mais je ne vois pas ce qu'elle a. Je ne vois pas. Que faire pour elle, va-t-il dire au chapitre 4 du deuxième livre des rois et au verset 14. Que faire pour elle? Élisée était dans l'impasse avec cette femme-là. Et on voit que Géasi a une certaine empathie. On peut avoir de l'empathie. Nos métiers, parfois, nous donnent de l'empathie pour les gens du monde. Parce qu'on les aime. Le travail à l'hôpital nous donne de l'empathie. Eh bien, Géasi avait de l'empathie. Géasi répondit, mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. Il avait un certain discernement, une certaine empathie. Mais cette empathie n'a pas suffi. Certes, il a vu la gloire de Dieu, cet enfant naître dans le foyer de cette femme, et cet enfant ressuscité au sein du foyer de cette femme. Oh, il a vu la gloire de Dieu. Élisée lui a donné des prérogatives. Il lui a donné son bâton pour qu'il aille chez cette femme, poser le bâton d'Élisée sur cet enfant. Et vous savez ce qui s'est passé? Rien. Rien. Parce que Géasi vivait à côté. Il vivait non pas avec la vision qu'avait Élisée, avec le cœur qu'avait Élisée, mais il vivait à côté. La femme s'est bien aperçue qu'il ne résidait pas l'onction dans son être parce qu'elle s'est attachée à Élisée. D'ailleurs, même Géasi a eu un geste un petit peu de rejet. Il a voulu repousser la femme. Et puis plus tard, je ne peux pas lire tous les extraits, plus tard, Géasi a montré de l'incrédulité, de la résistance à son maître. Il y a un moment où un homme est arrivé de Baal, Shalisha. Il apporta du pain, des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, écoutez bien, donne à ces gens et qu'ils mangent. Il parlait à son serviteur. Son serviteur répondit, mais comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Mais Géasi était à côté de son maître. Mais pas avec son maître. Il avait vu la résurrection du garçon. Il avait vu la farine dans le pot. Il avait vu
plusieurs miracles. Il avait vu le miracle de l'huile chez la veuve. Et là, on voit que Géasi n'a pas reçu en lui la présence de l'Esprit de Dieu. Il voyait les miracles extérieurement. Il voyait les choses se faire. Mais il ne vivait pas pleinement la réalité des choses. Il y avait là de l'incrédulité. Et puis, comble du comble, vous connaissez le passage de Naaman ? Géasi, oh Géasi, tu as vu Naaman, ce général syrien, changer, transformer, sa lèpre a disparu. Mais toi, Naaman, toi Géasi, tu vas chercher les cadeaux qu'Élisée a refusés. Et comble du comble, il va mentir à deux reprises. Il va mentir à Naaman, il va mentir à Élisée. En fait, Géasi vivait à l'extérieur. Vivait à l'extérieur de la réalité divine. D'ailleurs, on va le retrouver au chapitre 8, c'est la dernière fois dont on entend parler de lui. Il est avec le roi et le roi l'interroge et lui dit « Géasi, raconte-moi les faits, les hauts faits qu'a fait Élisée. Ce n'était qu'un homme qui pouvait que raconter. » Mais il ne pouvait pas dire « Je les ai vécus, j'ai vu la gloire de Dieu, j'étais là, j'ai participé. » Il y avait une différence dans l'attitude de ces deux hommes et puis il y avait une différence dans l'état de ces deux hommes. On l'a lu ensemble. On l'a lu ensemble. La différence entre celui qui est avec et celui qui est à côté, eh bien, c'est cet état, cette qualité de vie. Alors que les Syriens, je reviens à mon texte de départ, alors que les Syriens sont là et veulent prendre la vie d'Élisée parce qu'il raconte par certainement des révélations divines qu'il a. Il raconte les points de combat que le peuple syrien, eh bien, Élisée a une qualité de vie. Alors que, vous l'avez vu avec moi, Géasi va faire ce serviteur, va faire son petit commerce. Il est dit qu'il est sorti de bon matin. On ne sait pas pourquoi. Il a fait ses affaires. Il faisait son commerce. Et cet homme va être confronté à une armée syrienne autour de lui et il va revenir vite fait en courant. Parce que sa vie, elle n'est pas empreinte de la dimension de vie d'Élisée. Vous savez, je me prêche à moi-même. J'ai envie de cette vie. Je soupire. Et il va venir vers son serviteur. Mais comment allons-nous faire ? Son maître, comment allons-nous faire ? Il y a une différence dans la qualité, dans l'état de vie. Et Élisée, lui, vivait alors qu'il était en paix. Il va dire à son serviteur ce texte qui est affiché ici. « Ne crains point. » Élisée vivait la paix. Élisée était en paix malgré la pression extérieure, malgré le combat extérieur, malgré les circonstances extérieures. Et je voudrais ce matin nous encourager. C'est pas facile la vie, hein, aujourd'hui, hein. Il y a une pression. Je voudrais que nous puissions sortir de ce lieu, Seigneur. C'est vrai, il y a une pression. C'est vrai, il y a des combats, c'est vrai. Il y a ce virus, c'est vrai. Il y a ces perspectives économiques, c'est vrai. Mais tu es au-dessus. Tu es au-dessus. Et Élisée vivait cela. Et c'est lui qui va... Cet homme qui vivait avec Dieu, cet homme qui vivait dans l'intimité, par l'Esprit, qui va, eh bien, transformer, amener Géasi à une transformation. Dieu était avec lui et lui était avec Dieu. Élisée aurait pu dire cette parole de Paul. Il aurait pu la dire, cette parole de Paul à Géasi. Ce que vous avez appris. Ce que vous avez reçu, ce que vous avez entendu de moi, eh bien, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Amen.
Élisée aurait pu dire cette parole qui nous est plus proche dans le temps, cette parole de Paul qui est au chapitre 4 des Philippiens, verset 9. Ce que tu as vu, Géasi, ce que tu as vu, ce que tu as appris avec moi, ce que tu as reçu de la présence de Dieu, ce que tu as entendu, pratique-le. Pratique-le. Et le Dieu de paix sera avec toi. Élisée, pour lui, c'était la paix absolue. C'était malgré la pression. Il voyait bien les Syriens, il voyait bien les chars. Géasi, lui, ne voyait que l'environnement. Il était étranger à toute communication de l'esprit. Il avait été à côté d'Élisée, mais jamais avec. Dans une même pensée, dans une même vision, dans une même souffrance, dans une même adoration, dans un même désir d'avancer. Est-ce que nous sommes tous unis ce matin ? J'ai faim, j'ai soif de la gloire de Dieu. Alléluia ! Ah mon Seigneur, comment ferons-nous ? Quand j'ai médité ce texte, il y a un passage du Nouveau Testament qui m'est resté marqué. Jésus veut passer de l'autre côté de la mer de Galilée. Et il invite ses disciples à traverser. Et ses disciples prennent Jésus dans la barque, commencent leur navigation. Et d'un seul coup, un tourbillon, une tempête se lève sur le lac, comme souvent sur des lacs, des coups de tabac. Et à un moment donné, alors qu'ils ne peuvent s'en sortir, alors que la barque est emportée par les flots, leur regard se pose sur Jésus. Et il y a ici une image. Ils voient Jésus à côté d'eux. Mais Jésus, à un moment donné, va se révéler comme étant avec eux et non pas seulement à côté d'eux. Et je voudrais vous dire ce matin, mon frère, ma sœur, ta barque peut-être est basculée, lancée dans les flots et tu sembles vivre ta vie simplement à côté du Seigneur. Mais je voudrais te dire ce matin avec force et avec autorité, Jésus est avec toi. Et Jésus l'a manifesté. Il s'est levé, alors que la barque était bousculée, lui aussi était bousculé. Il voyait bien ce qu'il y avait, mais il a pris autorité sur les éléments. Et la barque a été apaisée. Et les disciples ont vécu la paix. Jésus était en paix, il dormait, mais Jésus l'a transmise, sa paix. Et ce matin, je voudrais que le Seigneur nous transmette sa paix, son esprit, sa présence. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Et puis, le troisième sous-paragraphe ici, c'est qu'il y a une différence entre celui qui est avec et celui qui est à côté, dans son assurance, dans l'attitude, dans l'état et dans son assurance. Pourquoi cette assurance ? Ça parle de quantité, ça parle de puissance. Géasi a dit à son maître, que ferons-nous ? Comment ferons-nous ? Il cherchait un moyen, il cherchait une issue. Et Élisée, lui, non seulement avait un état de paix, mais il avait une assurance de victoire. L'assurance de victoire. Géasi n'avait aucune perspective. Et peut-être qu'aujourd'hui, on n'a aucune perspective sur certains domaines. Élisée, lui, était calme. Il sait qu'il n'est pas seul. Alléluia. Il est entouré d'une armée céleste. Amen. Vous savez que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Alléluia. Et il sait que la puissance de Dieu est supérieure à la puissance de l'ennemi. Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Amen. Peut-être qu'un étudiant s'inquiète pour l'avenir. Dieu est avec toi. Amen. Une famille, Seigneur est avec toi. Quelqu'un qui est dans la difficulté économique, financière, Dieu est avec toi. Il maîtrise tout, il sait tout. Sois en paix. Géasi, lui, est un serviteur. Excusez-moi du terme, je ne l'ai pas beaucoup utilisé pendant 2 années, ici. C'est un serviteur charnel. J'aime pas ça. J'aime pas utiliser ce mot. Charnel. C'est qu'il a... Vous savez qu'il y a 3 positions pour l'homme. Il y a l'homme naturel, qui ne connaît pas Dieu.
Il y a l'homme charnel qui a fait un pas avec Dieu. Et il y a l'homme spirituel. Et Géasi est un homme charnel. On l'a vu tout à l'heure. Il aime l'argent, il aime les cadeaux. Il aime être à la cour. Il parle des exploits des autres. Oh, vous savez, j'étais là. Hein. Oh oui, alors j'ai vu les choses. Mais ce n'est pas moi qui les ai réalisées, qui les ai vécues. C'est Élisée. C'est un homme charnel. Vous savez, j'ai noté sur ma feuille, j'accélère, je vais être obligé d'accélérer. Quand j'étais jeune converti, vous ne le direz pas, on aime être avec les serviteurs de Dieu. Parce que je suis ami avec le pasteur un tel. On aime fréquenter le pastorat. Alors, on vit à côté. On s'identifie, mais on est à côté. On ne sait pas ce qu'il vit. On ne sait pas sa vie. Mais voilà, il y a une sorte, on est à côté. Mais en fait, le serviteur voudrait que tu sois avec Dieu comme lui est avec Dieu. Et j'étais comme ça quand j'étais jeune converti. C'est pas bien, hein. Ça nous arrive tous. Hein. On aime bien. Ah oui, je le connais bien, ouais. On a mangé ensemble, on a discuté ensemble. Et Géasi était un peu comme ça. Il vivait une vie près d'Élisée, auprès d'Élisée, à côté, mais une vie qui n'était pas avec lui, dans la pensée, dans l'esprit, dans l'amour de Dieu. Il ne connaissait pas Dieu de la manière d'Élisée. D'ailleurs, je reviens à mes disciples tout à l'heure. Vous savez ce qu'ils vont dire après que Jésus ait calmé la tempête ? Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ? Je crois qu'on a besoin d'apprendre encore qui est Dieu. Vivre avec. Je discutais avec mon épouse, ce n'est pas un secret. C'est tellement important. Elle me disait, tu sais, des fois, tu ne comprends pas toujours ce que je ressens. Les maris, les femmes, ça ne vous arrive pas, ça ? Je vous regarde. Je regarde Michael avec... Tu ne comprends pas toujours. Pourtant, on vit avec. Mais voyez, le avec, il a un degré encore supérieur qui est là dans l'esprit, dans la pensée. Ah, Géasi est un serviteur charnel, mais pour lequel Élisée avait de l'affection. Vous savez, Jésus avait discerné dans le cœur de certains hommes religieux, ils étaient là. Ah oui, nous sommes religieux, nous sommes là. Et Jésus dira, ce peuple m'honore d'élèves, mais son cœur est éloigné de moi. Géasi était capable de raconter les récits glorieux, mais n'en avait pas goûté la profondeur. J'accélère et je vais certainement terminer rapidement là-dessus. Je voudrais faire une petite conclusion là. C'est ce que je disais tout à l'heure, on se presse autour du pasteur, ça je ne reviens pas là-dessus. Mais parfois, on vit à côté, on vit les choses à côté. Dieu veut que nous vivions les choses authentiquement, réellement, profondément, avec action de grâce, dans la vie, dans l'humilité, peut-être dans les pleurs. Parfois on mélange culture, parfois on mélange tradition ou interprétation, mais on est à côté. Ce n'est pas ça que Dieu veut. On ne met pas notre touche personnelle. On ne met pas notre petite signature en bas du tableau alors que ce n'est pas nous qui l'avons fait. Jésus, par la bouche de Jean, nous a laissé cette parole. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Alléluia. Et vous les avez vaincus, il est question ici des faux prophètes, de l'antéchrist, des ennemis, parce que celui qui est en vous. Et le terme grec, en, en grec, veut aussi dire avec vous. Celui qui est en vous, celui qui est avec vous, est plus grand, alléluia, que celui qui est dans le monde. Alors, j'accélère et je terminerai plus vite que prévu. Il y a un secret.
Il y a un secret. Je l'ai déjà partagé dans la vidéo de mercredi. Je ne sais pas, j'ai ça à cœur, mais il y a un secret. Le secret, Élisée le dévoile dans les derniers versets, 17 à 23, et je vais simplement citer et donner rapidement quelques exemples. Élisée va, vous le savez, on l'a lu ensemble, Élisée va, vous pouvez participer, hein, il va prier. Parce que c'est la prière, le secret. Le secret de l'intimité, c'est la prière. Il va prier. Et j'aime cette prière. C'est encore la plénitude ici. Trois fois, il va prier. Il va prier pour Élisée. Il va prier une première fois sur les Syriens. Il va prier une troisième fois sur les Syriens. C'est le secret de la prière. Et il va être délivré. Et il va amener Élisée à voir ce qu'il voit. Et aux Syriens d'avoir la vie sauve. Celui qui vit avec Dieu ne peut s'interdire de prier. Et mes frères, mes sœurs, ça c'est mon avis personnel et ça va sur les réseaux. Le monde ne nous fera pas taire dans la prière. On peut être masqué. Le monde ne nous fera pas taire dans la prière. L'Église ne se taira pas dans la prière. C'est la puissance de Dieu. C'est le salut de Dieu. Et il ne s'interdit pas de prier, de dialoguer. Il ne fallait pas compter sur Géasi pour voir les choses évoluer. Mais Élisée prend tout en main. Alors, rapidement, il fait une prière fraternelle. Vous savez qu'on peut prier les uns pour les autres ? Élisée va prier pour son serviteur. Et je crois qu'on peut prier les uns pour les autres. Si j'ai besoin qu'un frère prie pour moi, je l'invite à prier pour moi. Amen. Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre-lui ses yeux pour qu'il voie, pour qu'il partage, pour qu'il vive. » Alléluia. Est-ce qu'on a demandé à notre mari qu'il prie pour nous ? Ou inversement, à notre épouse qu'elle prie pour nous ? C'est bien. Je ne vais pas bien. Tu peux prier pour moi. Un frère, une sœur, la prière fraternelle. Il avait besoin de saisir les vérités spirituelles. Je prie pour toi, tu pries pour moi. Alléluia. Vous connaissez ce chant? Et Dieu nous unit, hein, nous tient la chaîne de l'amour. Ce reste solide. Élisée a entraîné son serviteur dans la vision de la victoire. Géasi est passé de l'état d'être à côté à avec. Pas sûr que ça ait changé grand-chose, malheureusement. J'espère. On ne sait plus rien près de Géasi. En tout cas, il avait la lèpre de Naaman sur lui. Paul nous a laissé cette parole. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. En toutes circonstances, en tout temps. Et la paix de Dieu encore. Je crois que Géasi a eu la paix. Ah oui, oh, les chars de feu supérieurs aux chars de fer, aux chevaux qui hennissent des chevaux célestes. Et puis, il y a une prière libératrice, protectrice. Elle est à la fois les deux. Elle a libéré Élisée, c'est la deuxième prière qu'il va faire. Il va faire tomber une cécité soudaine sur les Syriens. Ça l'a libéré de leur attaque. Mais ça a protégé aussi, ça a amené les Syriens à considérer leur faiblesse. Et je pense qu'on peut prier comme ça pour le monde. Hein, l'aveuglement, nos ennemis, aveugle-les, Seigneur, mets-les dans une période de noir, qu'ils puissent chercher, qu'ils tâtonnent, qu'ils viennent à toi. D'ailleurs, Élisée, qui est aussi représentatif de Dieu, ce prophète, dans ce temps-là, on le consultait comme étant le lien direct entre Dieu. Et Dieu les a conduits, non pas vers lui, l'ennemi qu'il considérait. Parce qu'en fait, là, c'était Dieu qui était considéré comme un ennemi presque. Et le monde considère Dieu comme un ennemi. Mais Dieu n'est pas l'ennemi du monde. Il est le sauveur.
Il est le libérateur. Élisée les a amenés vers le vrai ennemi, le roi d'Israël. Le roi d'Israël. Il a fait voir aux Syriens en leur ouvrant une troisième prière, une prière salutaire. Il a ouvert leurs yeux, il leur dit, voyez. Et d'ailleurs, Paul nous le dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Hein ? Les dominations, elles sont dans le ciel. Le véritable ennemi, c'est pas Dieu pour le monde. Dieu est libérateur. Et il y a une prière de la part d'Élisée, cette prière libératrice, protectrice, pour amener ces Syriens à vivre leur paralysie, à vivre leur égarement et les amener après à être sauvés d'ailleurs. Élisée a fait une œuvre de salut. Il a dit au roi d'Israël, tu ne les tues pas, tu leur donnes à manger, ils ont été sauvés. Ils ont été sauvés. Prière libératrice, protectrice et une prière salutaire. Je conclue, j'étais plus vite sur ces points. Il y a une prière que David a faite. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Je suis à côté peut-être. Je suis à côté de ton projet. Je suis à côté de ta vision. Je suis à côté de la compréhension des choses. Ça vous est jamais arrivé, ça ? Seigneur, conduis-moi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Regarde, si je paraphrase, si je ne suis pas à côté, je veux être avec toi, en toi. As-tu besoin de connaître peut-être un poste, une recherche d'emploi, un lieu où habiter ? As-tu besoin de direction pour ton avenir ? As-tu besoin de savoir quelle est la volonté de Dieu pour ta vie ? Je veux être avec toi, en toi, pour toi. Je veux vivre l'extraordinaire divin. Si une personne se sent en total accord avec Dieu, je dis à cette personne, poursuis ta course. Poursuis ta course, demeure dans la prière pour ton frère, demeure dans la prière pour ta sœur, pour une prière de délivrance pour le monde, une prière de salut pour le monde, une vie intime avec Dieu, une connaissance, l'expression des dons spirituels, la prière en langue à la maison. Mais si au contraire une personne se sent complètement déconnectée, moi ma vie elle est à côté. Déconnecté de Dieu, alors je l'invite à lui demander d'ouvrir ses yeux. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur, l'entendement de mon âme, mon intelligence, déverse en elle ton esprit, Seigneur. Et puis je voudrais laisser cette partie de verset. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Que nous puissions repartir ce matin avec cette réflexion, Seigneur, je veux vivre plus près de toi, plus avec toi, plus en toi. Fais-moi triompher, fais-nous triompher, fais triompher l'Église. Qu'elle soit la lumière et le sel dans la ville, dans le monde. Que notre vie de prière excelle à l'image d'Élisée. Je termine par la prière. Seigneur, entraîne-nous à ta suite ce matin. Seigneur, permets-moi de sonder mon cœur. Est-ce que je suis à côté de toi ? Est-ce que je te suis partout ? Est-ce que je fais, Seigneur, ta volonté en tout ? Est-ce que je suis réellement avec toi ? Seigneur, ce n'est pas un temps de culpabilité que nous voulons ce matin, mais un temps, Seigneur, d'unité, Seigneur, de vie, d'harmonie, de zèle renouvelé, d'encouragement, Seigneur. Et pour cela, Seigneur, je veux entrer dans une dimension de prière. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Seigneur, je veux vivre l'extraordinaire divin pour l'Église, pour ma vie, pour ma famille, pour le monde. Seigneur, que des âmes passent de la mort à la vie, que des cœurs soient transformés, que des vies soient sauvées, que des ennemis, Seigneur, soient appelés amis, Seigneur. Ah, Jésus. Seigneur, être avec toi, c'est vivre pleinement, Seigneur, les trésors dans le ciel, la dimension spirituelle d'un Dieu puissant, omniscient, omnipotent. Ah Jésus, que ton onction descende sur chacun et que ce temps soit béni de toi, Seigneur, et que nous soyons vivifiés par ton esprit dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen.
Merci au Seigneur pour sa parole. On va chanter ce chant qui déclare, qui dit « Je lève les yeux vers les hauts sommets et toi seul me secours. Mon secours est en toi. » À sa fin, on va chanter encore un chant si vous le voulez bien. Voilà, nous voulons voir Jésus élevé. Amen. Amen. On peut peut-être se mettre debout. Jésus élevé,
Passez une bonne semaine. Soyez bénis.